Alors, oui, maintenant, je voudrais qu'on parle du secteur E. Johan, il est au E11. Bon, moi, personnellement, comme j'ai déjà dit, je sais que, que les gars ils jouent l'équipe, mais je pensais que c'était quand même le Français le mieux placé pour le titre individuel. Parce qu'on s'attendait à ce C'est que ce soit le secteur où il y a eu le plus de groupes de poissons. Voilà. local. Alors, s'il arrivait à gagner cette manche sur ce secteur-là, normalement, il avait le plus gros score. Les titres individuels n'ont aucune valeur. Parce qu'en fait, c'est pour remercier, pour dire si. Parce qu'en fait, il n'y a pas de système de tirage avec des grilles. Donc le gars, il peut avoir une aile ou une avant-aile ou des places favorables, c'est souvent le cas. Il finit avec une breloque d'or. Bon, c'est super bien, je veux dire, je suis content pour le mec. Mais il en faut Et un. on souhaite tous pour nous. Mais par contre, individuellement, ça m'embête. Par contre, voilà, en équipe où tout le monde se bat pour Ah l'autre, bah. ça me va bien. Oui, la différence qu'il y a, c'est qu'individuel, il faut bien pêcher les places, mais il faut avoir le bon tirage. Alors que dans une équipe, tu sais que tu auras au moins un ou deux pêcheurs qui seront dans le dur, et c'est eux qui feront gagner l'équipe. Je dis toujours, c'est Jean Vesquier qui avait quand même mis ça en France avec Ciel et Chalon-Sensas, qui avait ramené cet esprit d'équipe dans les années 90 par là. Avant, ça n'existait pas trop. Cet esprit d'équipe, il est super bien. Je veux dire, tu te bats, tu te bats. Moi, j'ai vu des challenges ou des championnats de France où tu te bats pour décapoter, quoi. Tu vois, tu te bats avec un hameçon 32 sur du 400e parce que tu veux pas être dernier pour ton copain, quoi. Et cet esprit-là, bah, c'est super bien. Ça, c'est vraiment important. Et du coup, tu passes des meilleures soirées parce que t'as plus d'esprit individuel. Le peu que t'as passé comme temps avec nous, Jean-Michel, je veux dire, tu sens bien qu'il y a un esprit d'équipe. Il y a pas cinq individualités. Ah, En moi, fait, des c'est entraînements, ce qui m'a vraiment plu, c'est j'ai. tous les soirs, on faisait en fait les tableaux, on avançait avec, parce que voilà, c'est l'esprit-là, il est important. Je pense que, enfin, pour moi, ça fait progresser la pêche de compétition. Oui, mais là, on avance dedans, quoi. On avance dans notre monde. Et si tu restes enfin, si tu cherches un titre individuel sur 5 mecs, bah, tu n'avanceras rien, t'as pas d'échange, t'as pas. T'es content, t'as une breloque. Moi, je suis super content pour Johan, hein, je veux dire, mais je pense que Johan, aujourd'hui, il va avoir la même approche que moi sur cette médaille, alors qu'il y a 3 ans, je suis pas sûr que Johan avait cette approche-là. Oui, Il y a 3 ans, il aurait eu sa médaille d'argent, il aurait sauté de joie à 2 mètres de haut. Aujourd'hui, quand tu l'interviews, quand j'ai lu des trucs de ce qu'il a dit, et je sais parce que je vis à côté de lui, aujourd'hui, la médaille la plus importante qu'il a, c'est le bronze par équipe. L'autre, il a dit, c'est la cerise sur le gâteau. tu vas déterminer ce que tu vas mettre dans ton équipe. Qu'est-ce que tu leur demandes le plus? C'est quoi? C'est une bonne dextérité avec les cannes, mais c'est quoi? C'est surtout un mental, je pense, non? C'est le mental, parce que eux, la dextérité, je veux Voilà. dire, C'est des les 6 ou les techniciens. 10, de toute façon, les 10 qui sont choisis au Club France, ou les 9, parce qu'on avait eu un truc comme ça, il y en a un qui était parti, les 9 cette année, parce qu'on avait un absent pour le Covid, les 9 copains, ils ont la même qualité en technique. Après, ils sont rendus à un niveau tel qu'il n'y a pas très peu d'écart entre eux. Après, tu vas choisir par le mental. Et puis, tu vas choisir aussi par. S'il y a un parcours différent, imagine tu as des cartes pour un truc comme ça, où j'ai un On collègue est qui est plus fort dans d'accord. les cartes, on va choisir par rapport au parcours. Mais déjà, la technicité des 10, enfin des 9, si, parce que je pense que le Covid, j'espère que ça va s'arrêter, et des 10 collègues, des 10 qui seront au Club France, la dextérité, la facilité est la même pour tous, Tu à veux ce dire niveau-là. oui, Et c'est une facilité qui n'est pas la nôtre, hein, c'est une facilité pour eux. Voilà. Oui, c'est ça. T'en as dit, c'est après, c'est une question mentale, une question de parcours aussi. Un peu comme on va choisir au coup, c'est un parcours d'Ablette ou un parcours de Brême, tout simplement. Ouais, regarde, il y Parce a que. eu des parcours de première division comme à Saint-Fargeau où c'était, tu sais, une pêche à 13 mètres à aller très très vite. Quand tu vois la vitesse où va Michael Lechter, laisse tomber, quoi. Moi, j'ai été faire des concours avec Mika. Moi, je lui dis pas parce Il va qu'il voit l'entendre bien. là. Mais ouais, non, mais c'est Mika, bah, il va tellement vite que toi à côté tu transpires, ou je m'essuie avec la serviette, il croit que c'est parce que j'ai fait des brèves, quoi. Ouais, mais ils se rendent pas compte, ils vont super vite, quoi. Il est d'une gentillesse et d'une simplicité, ce garçon. Bon. Mais ça, c'est le signe des grands, souvent. Je pense aussi, ouais. Ouais, c'est le signe. Mais tu vois, j'ai vu Mika sauter de joie cet dimanche soir, quand on est rentré au gîte, parce que c'est vrai qu'ils sont pas expressifs plus que Voilà. ça, hein, même tous les 6. Hein. Par contre, quand je les ai vus rentrer au gîte, je me dis, bon, on n'est pas champion du monde. Mais par contre, on a ressoudé encore un ensemble qui était déjà très soudé. On a un truc là, on a créé quelque chose. Quand tu vois le dimanche soir comme ça, tu fais, oh la vache,
Longtemps. Que ce soit les coachs qui sautent de joie à tout le monde, tu dis, bon, c'est qu'une breloque d'or de bronze, même si tu dis non, c'est. Je veux dire, on était vraiment super contents pour le groupe, quoi. On a ramené quelque chose, quoi. Bah, je pense que le dimanche, vous êtes mis une sacrée pression, vous étiez. Parce qu'il fallait vous battre pour aller chercher la médaille de bronze, vous le saviez, hein. Parce que ouais. vous étiez parti, on vous voyait bien prendre 4 ou 5e, hein. Le samedi. Ouais, puis c'était ouais, bah, de toute façon c'était comme ça. Mais de toute façon tu m'as vu le dimanche matin, tu m'as vu le samedi soir. Après c'est vrai que sur le coup de massue du samedi soir, ça s'est passé. Puis après on redresse le mental à tout le monde et on repart, quoi. C'est ça qui est fou. Par contre au Club France t'as 9 gars qui comment dire en technicité ils se valent, quoi. Après c'est juste une question de mental et de parcours. Ah bah ouais, c'est les 9 mêmes. Et d'ailleurs, je pense que nationalement, sincèrement, pour moi, on en a plus que 9. Oui. C'est sûr que oui. Bah, tu vois, après, moi, je vais quand même. Je pêche tous les. Enfin, je pêche. Là, j'ai pas pêché beaucoup, mais je reprends. Ça y est, j'ai 3 week-ends à suivre. Mmh. On reprend la pêche. Je suis avec eux tous les week-ends. Je veux dire, je vois bien. Tu vois bien les gens, quoi. Je veux dire. Mmh. Et je me dis, aujourd'hui, je pense qu'on a un potentiel de 15-20 grands pêcheurs en France. J'en suis sûr. Oh. Après, c'est une question de postulation, ouais. De venir. Est-ce que c'est être intéressé? Tu sais, nous, c'est pas un milieu professionnel. Donc, le gars, il a son job, il a sa famille, il peut pas. Tu sais, partir comme là, on parlait de Michael. Cette année, s'il y avait eu les divisions individuelles, il a fait le championnat de France des clubs. Et là, il part au championnat du monde en Bulgarie, à Plovdiv. Il a fait le championnat du monde chez nous. Je veux dire, voilà, à la limite, on aurait pu faire l'épreuve de freestyle aussi en Hongrie. Dans l'année, il faut que, d'abord financièrement, et puis familialement, et puis au niveau du job, être délégué, quoi. Tu vois, ça fait des semaines et des semaines de congés, quoi. Donc, Johan est au E11. Donc, vous savez qu'il est dans les poissons, puisque tu me dis qu'en fin de compte, il fallait avoir les numéros du 15 au 10, à peu près. Ouais. Après, ce que me dit Gilles, il me dit qu'il s'attendait à ce que les poissons ne rentrent pas tout de suite sur ce secteur. Il me dit carrément que pour lui, il dit la pêche va. Ce sera une pêche de construction. Et il va falloir, en gros, une heure à une heure et demie, au moins, avant d'avoir les premières touches. C'est ce que vous avez dit. Ouais, mais on a toujours de la construction. Hein. Tu sais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, les premières touches, c'est toujours inquiétant. Moi, j'ai vu. Je pense que la moyenne d'attente des touches au départ pour avoir un rythme, c'est qu'à 40 minutes, il n'y a rien. C'est-à-dire que de 0 à 40 minutes, c'est très très rare d'avoir du poisson. Oui. Et après, contrairement à d'autres endroits en France. Donc c'est très très. C'est vraiment long. Par contre, après, plus tu vas rentrer dedans, plus tu as des touches. Et justement, c'est là où tu vois des gens comme ça qui vont créer le rythme et qui vont aller vite, quoi. C'est ça qui fait peur quand tu l'as à côté de toi. Ben... Parce qu'au début, si tu veux la première heure et demie, si le gars il a 9 poissons et t'en as 7. Tu dis, je suis pas loin. Mmh. Par contre, quand il prend son rythme et qu'il accélère, là, ça fait mal. Secteur. Et là, c'est vrai que je le vois en action et tout. Et que moi, pour moi, de loin, je dis, c'est bon, Johan, il va gagner. Quand j'arrive, je vois le rythme qu'a Johan. Et je dis, bon. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que c'est le seul Français que j'ai vu tirer comme ça. Après, comme je dis bien, c'est la dernière heure et demie. C'est la meilleure partout. Partout, ça arrive d'être comme ça. Voilà. Si tu veux, le championnat du monde des clubs en France, on fait un championnat de France des clubs et on envoie des clubs, des clubs représentatifs de la région. Par contre, à l'étranger, moi j'ai fait des championnats du monde des clubs, la FIDER, les 5 premiers, c'est des équipes nationales. Hein. Quand tu vas regarder la liste demain de ce que je te dis, des gens qui vont participer au championnat du monde des clubs FIDER, c'est les équipes nationales déguisées. Hein. C'est vrai que ça va s'appeler Preston, Sensas, Rive ou ce que tu veux à l'étranger. Par contre, à l'intérieur, tu regardes les noms. L'équipe hongroise, il y a toujours Tamash, je veux dire, l'équipe est là. En Angleterre, c'est toujours Steve, Phil, Dean Barlow, Phil, Will Freeman. C'est les mêmes, en fait, que tu vois dans les nations que tu vas avoir au club. Après, moi, ce que je trouve de vraiment bien, c'est que eux, en fin de compte, il y a une marque qui joue le jeu, qui les prend sous leur aile et puis qui doit les aider un peu plus qu'en France, non? Ouais, mais bon, après, moi, je suis allé, tu sais bien, plusieurs fois chez eux. C'est un autre monde, quoi. Ouais. Je veux dire, moi j'en veux pas aux marques en France, et je comprends, hein, c'est les difficultés. En Angleterre, tu vois le rayon presse pêche, il est 4 mètres de haut sur 8 mètres de long, t'as 32 mètres carrés de presse. Nous en France, t'as 4 revues, y a le pauvre Nicolas qui se débat pour faire quelque chose. À côté, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, tu vas à l'autre côté, je disais toujours Bob Nudd, et il a plus de supporters à le regarder tous les jours sur Facebook que le Stade Rennais, tu vois, ce côté de chez moi.
Le mec, il a plus de supporters de likes par jour, un pêcheur, qui a 70 ans ou 71 ans, que mon Stade Rennais. Okay. Je veux dire, la pêche, c'est une institution. C'est 7 pêcheurs, 7 Anglais sur 10 ont goûté à la pêche. Oh non, c'est un autre monde. C'est pour ça que les maisons peuvent les aider. Ils savent qu'il y aura des retombées. Okay. Regarde les primes qu'ils ont quand ils sont champions du monde. Moi, avec la prime là, c'est bon, quoi. Je veux dire, je change de voiture 2 fois dans l'année. Hein. Ah, parce que quand eux, ils sont champions du monde, ils ont une prime. Ah ouais, ils ont des primes, ouais. Par le gouvernement. Et la Hongrie, c'est pareil. Hein. Et la Biélorussie, c'est pareil. Le ministère jeunesse et les sports, il donne pas, il prend pas que les médailles. Ils ont des retombées économiques, quoi. Mais c'est normal. Nous, en France, on a du mal à avoir un petit budget par le ministère, par ma copine Roxana Maraciné à nous. On a du mal à avoir 10 balles. Voilà, dans les nations étrangères, il y a des nations où il y a de l'argent. Par contre, il y a des nations pires que nous. Les oui. Belges, ils payent plus que nous encore. Et les gars, ils sont obligés de mettre la main à la poche énormément. En Espagne, c'est très compliqué aussi pour avoir de l'argent. Ils commencent à débloquer un petit peu là, d'argent, mais ça a été compliqué. Nous, on n'est pas dans le pire. Mais par contre, il y en a qui sont vraiment dans le mieux. Mais vous avez, vous pas dans l'équipe ou pas? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'amorce, je pense. Mais... Ah pour le. Oui, on paye pas l'amorce parce qu'il y a des contrats avec Sansas, donc on paye absolument rien. Les zèches là ont été fournis en partie gratuites et en partie avec des prix défiant toute concurrence avec les verminières de l'Ouest. Et sinon, bah, c'est tout. Hein. Le reste, les fournisseurs, Rives, Garbo et puis Sansas pour le matériel pour les gars. Les gars, c'est des contrats qu'ils ont avec des remises, je veux dire, de 10 à 50% selon le matos, quoi. Voilà. Comme ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent pas aller plus loin, ce qui n'est pas grave. Hein. Je veux dire, on fait avec. Et ce qui est pris est pris. Je veux dire, grosse dotation. Je veux dire, t'es pas livré chez toi de plein de matériel. C'est ça pour dire, voilà, non, il n'y a rien. Moi, là, je partais au championnat du monde des vétérans en Espagne qui a été annulé. Quand j'ai su ce que j'allais pêcher, j'avais pas le matos pour le faire. Comme tout le monde, j'ai commandé chez Rive du matériel, quoi. Je veux dire. Et j'ai reçu, mais je l'ai payé le matériel. Tu l'as payé avec une remise, mais tu l'as payé, c'est ça? Ouais, je l'ai payé, ouais. Ouais, j'ai payé avec une remise. Et merci de la remise, parce qu'ils sont pas obligés de la faire. Hein. Mais par contre, tu payes ton matos, quoi. Des remises, après, de ce qu'ils peuvent faire au maximum, sûrement, j'espère. Ouais. Parce que derrière, j'espère. Maintenant. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent et puis nous, bah, on prend. Parce que de toute façon, sinon, on n'a rien. Donc, c'est soit tu prends la condition là, soit t'as que dalle. Quoi. Après, c'est sûr que bon, on n'est pas dans un marché porteur et à partir du moment où t'es pas dans un marché porteur. Bah non, ce serait le bricolage avec des robinets et puis de la peinture, ça serait vachement plus fort. Hein. Tout... Bah, écoute, passe un bon anniversaire. Merci très beaucoup. Non, mais. Surtout, profite bien. Et puis, bon, j'espère que ce week-end, tu vas nous faire voir que tu es un bon pêcheur. Parce que nous, on en doute. On t'a vu pêcher, on a des doutes. Donc, fais-nous mentir. T'es pas là, tu sais quoi? T'es pas là pour me filmer, va te faire foutre. Ça roule. Un bisou, Jean-Michel. Bisous, encore merci pour ta gentillesse. Ouais, salut, Jean-Michel. Salut.